Oh, il vient vers moi. Il bouge. Il me veut. Il bouge en plus. Il vient vers moi. Mais... Il vient vers moi. Oh, nom de Dieu. Oh. Ici. Oh, il y a quelqu'un? Ouais, Gigi. Gigi, ah, celui-là. Béatrice, tu vas bien, ma Béatrice? Ah ouais, toi, Gigi. Allez. Oh, dis donc, t'as pris des couleurs, hein. Bah, toi aussi, dis-moi. Oh, bah, t'as bronzé. Ouais. Écoute, ils ont enlevé là tout leur papier là, con là, les emballages et tout là, leurs trucs cellophanés. Ouais, je suis arrivé tout à l'heure là, il y avait plus rien donc écoute. Ils ont tout enlevé. Tout enlevé, ouais. Bah écoute, par contre, ils auraient pu enlever les seaux, tu vois, ça ils nous l'ont laissé. Oh bah écoute, là, ils laissent ça aux femmes de ménage, j'ai envie de te dire, hein, c'est branquignol. Mais quelle histoire qui nous est pas arrivée la semaine. Attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé, faut que je te raconte. Vas-y. La semaine dernière, bah on a retrouvé la gamine, tu sais là. Ouais. La gamine. Ouais. Le lendemain, bah moi je sais pas si toi t'as fait ça. Du coup bah tu sais on est partis ensemble du coup à l'usine hein, pour aller en parler. Ouais. Quel bordel qui s'est pas passé. Je sais pas si t'as suivi après. Hein. En gros si tu veux à ce moment-là on les avertit bah qu'on avait retrouvé un corps quand même hein, c'était pas rien. Bah ouais. Le FBI tout petit cointain qui se déplace ici. Je te jure, ils ont tous cellophané partout. Moi, le lendemain, j'arrive, tu vois, je passe par là, tu vois, ouais. Avec mon balai comme d'hab, tu vois, prête à l'emploi. Ah, j'arrive ouais, comme ça, un monsieur comme ça, regarde, je te le fais, hein. Hep, petite dame. Alors déjà, genre là, je fais, oh, vous baissez d'un ton déjà, d'accord, vous ne parlez pas comme ça. Le mec, ensuite, il se met là, il me reparle, il me fait, vous n'avez pas le droit de circuler ici, c'est une scène de crime. Je fais d'où? J'ai pas le droit de circuler ici, connard, c'est une scène de crime. Je fais que ça, de nettoyer les scènes de crime. Tiens. Il me fait, j'ai des mesures de précaution. Moi, on m'a donné des ordres. Je réponds aux ordres. Vous avez pas le droit d'être ici. Vous reviendrez quand on vous en donnera l'ordre. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, dans ce cas-là, vous me payez ma semaine, hein. Il me fait, c'est pas moi qui regarde et tout, votre semaine elle va être payée, allez voir Michel de la Comta, tu vois. Oui, plutôt. Alors, intérêt, putain, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'aurais dû voir le bordel. Là, tout le tour, comme ça, ta 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 ta. Ils avaient mis du. Plein de rubans adhésifs. Jaune, ouais, jaune, mais un jaune, moutarde, je te jure. Il y avait marqué dessus, do not access ou ouais, je sais pas. Voilà. Ouais, et ouais. Plein de plastique par terre, des mecs avec des tenues, mais moi j'avais jamais vu ça, toutes en plastique blanc. Là et ouais. Ils avaient des lampes de c'était dans la série X-Files là, ce que X-Files, les Mulder ouais. Je te jure ils avaient des lampes de poche et tout, des lampes torches, t'es sûr trucs, qu'il y avait pas des caméras ça. Dans le coin non plus hein, pas il y avait plein de trucs et du coup bah, j'avais pas le droit de rentrer parce qu'ils ont fait une enquête tu vois ouais. Donc écoute on nettoie pendant ce temps là hein. Vas-y on nettoie hein. Bah vas-y hein. Écoute on va finir ouais bah écoute bah, par contre j'y tiens à dire ils ont pas touché à ce qu'on a mis hein, franchement ouais t'as eu ça. Bah par contre ils auraient pu ramasser les douilles etc. Bah non salaud, t'as reçu, donc. Tu sais qu'elle a pas été retrouvée la gamine. Bah non apparemment d'après ce qu'on m'a dit elle a pas été retrouvée du tout non. Elle a pas été retrouvée la gamine. Bah non. Donc si tu veux moi j'ai demandé j'ai fait pop qu'est-ce qui s'est passé moi je veux des infos. Tu sais pas ce qu'ils me disent au début. Parce que j'ai demandé hier hein. Du coup parce t'as que hier je leur ai qui, dit quand est-ce qu'on reprend. J'ai demandé à Michel mais Michel il m'a renvoyé vers Bertrand. Bertrand, ouais. C'est lui qui a le contact entre le FBI et notre société, tu vois. D'accord, ouais, c'est lui l'intermédiaire. Ouais. Oh, cette histoire, ma Béatrice, cette histoire. Bertrand qui prend contact avec le mec du FBI. D'ailleurs, j'ai toujours pas son nom. Ils veulent pas me le dire secret, tu sais toi-même. Secret hein. Défense, ouais. Confidentialité, oh ouais, oh là là, les ça, trucs du Pentagone, moi, tu sais, ça me passe au-dessus. Hein. Ouais. Dieu sait que je suis petite, hein. Et ouais. Du coup, alors les mecs, je lui dis, écoute, moi, est-ce que je peux venir travailler? Il me dit, écoute, normalement, demain, tout sera enlevé. Tu vas pouvoir revenir travailler, tu vois. Et je fais ce que Béatrice, elle sera là. Il me dit, je ne sais pas. Je fais, comment ça, tu ne sais pas? Il fait, j'ai pas encore eu contact avec elle. Je fais, d'accord, ok. Bah, machin. Si, mais il m'a contacté tardivement aussi, ce con. Ah, quel oui. Abruti aussi, celui-là. Et contact puis, du coup, si tu veux, connard, je te jure. Ouais. Et puis, si tu veux, à ce moment-là, je lui dis, moi, je voudrais des infos. Alors, cette gamine, est-ce qu'on l'a retrouvée? Il fait, vas-y, dégueulasse tout, hein. Non, je voulais prendre et mettre, je sais mets-le pas au où, feu, mais... Mets-le au feu, là, on a trouvé la gamine. Ah, oui, mais... Dis-moi Gigi, alors ça je sais pas si tu l'avais vu mais ils ont fait vite hein. Ils ont rebouché le trou là. Non. Si juste là ils ont rebouché le trou. Pas que. Ah oh, bah alors ça. Alors bon attends n'y va pas tout de suite.
Bon, non. On va voir après. Oula. On va voir après. Ça, donc, du coup. Que je le répète et que ça nous retombe sur la tronche. Connerie, là. Et si tu veux, donc, je lui dis, moi, tu vas me dire ce qui s'est passé avec la gamine. Au début, il me dit, je te dirai pas. Je fais comment ça que tu me dis pas attention, hein. Je fais, moi, je peux être méchante, hein. Tu sais très bien. Ah, oh, bah, et te du connaissant, coup, ouais, ça peut partir au quart de tour. Hein. Voilà, tu le sais très bien. Moi, j'ai fait du kung-fu pendant des années, hein. Pour me faire emmerder par un chauve de 34 kilos, là. Mouillé, en plus, hein, je te jure. Bah, et puis, du coup. Ce connard là, il me fait, écoute, je te dis pas plus, je fais, hé, tu me dis maintenant, hein. Il me fait, ok, machin. Tu vois, je pense qu'il a eu peur de moi, forcément. Bon bah attends, connaissant ton kung-fu, hein. C'est ça, c'est légendaire. Et du coup, ce connard, il me dit qu'en fait, la gamine, ils l'ont pas retrouvée. Ouais. Tu sais qui ? Attends, tu sais que y a pas de suspect, y a rien du tout pour le moment. Non. Je mens pas, y a pas de suspect, tu sais pourquoi ? Enfin, non. Apparemment, ça peut pas être un géant qui a fait ça. Parce que t'as vu le trou là, comme il était petit ? Bah, un géant il passerait pas dedans, hein. T'as vu la taille. Donc, du trou, en fait, il suspecte quelqu'un de notre taille. Une personne de notre taille. Pour faire un truc pareil, tu ça vois. Quand tu vois logique, la gamine qui avait à l'intérieur, de toute façon, c'était pas une géante. Bah non. Donc, on sait pas ce qui s'est passé exactement. Donc, ils sont toujours en enquête. Mais ils ont pas parlé du fait que c'était refermé. Bah non, moi ça là... me fait un petit peu peur quand même parce que. Bah, comment ça se fait que ça a été refermé à... Ils ont des choses à cacher là-dedans, je sais pas. Ça paraît bizarre. On va y aller après, on va y retourner. Mmh. Moi je ramasse déjà toutes les merdes, toutes les douilles, tous les machins. Qu'est-ce qu'on en fait de la baudroie là? C'est quoi la baudroie? Ouais, je sais pas, la morue là. Ah oh, bah. Pff. Oh putain. Oh, tu trouves pas que. Hein? Tu trouves pas qu'elle ressemble à Brigitte? Fais voir la gueule. C'est vrai, maintenant que tu le dis, elle a un petit air à Brigitte. Oh, elle a un air à Brigitte. Tu sais depuis qu'elle s'est fait liposucer, qu'elle s'est fait lifter les lèvres, celle-là. Oh, c'est du botox qu'elle s'est mis, non? On devrait lui foutre dans son bureau à Brigitte, tiens. Oh tiens. Il faut fermer sa gueule. L'amour. Je te jure. T'as vu Brigitte d'ailleurs, les injections qu'elle a refaites là? Ah bah oui, non, de Dieu. L'autre coup, je lui dis, c'est pas ce que je lui dis l'autre coup, Béatrice. Vas-y, l'autre coup, tout. J'ai une discussion avec, tu vois. Ouais. Elle me regarde, puis tu sais, vachement stoïque, hein. Pas d'expression, rien. Je lui dis, Brigitte, ça te casserait le cul de sourire un peu? Elle fait, bah, je souris, là. Et c'est là, avec toutes les injections qu'elle s'est foutue dans la elle tronche. Elle a tellement de botox dans les lèvres qu'on est même plus capable de savoir si elle sourit ou pas. Oh, je te jure. Oh, oh là là, mais moi j'aimerais bien voir hein, quand elle aura 80 ans et que toutes les coutures vont péter. Hein. Ah, je te dis. Alors là, j'ai hâte de voir. Apparemment, elle s'est foutue du botox dans les lèvres, mais aussi elle s'est foutue du silicone sous les pommettes aussi. Ouais, ouais. Il est partout, elle s'est tout fait lisser, tout ce qu'elle pouvait se faire tirer, elle s'est fait tirer, puis je peux te dire qu'il n'y a pas que la peau. Hein. Ah bah non, dire. Là, vaut mieux pas trop qu'elle pleure, parce que sinon, ce serait mauvais pour elle, hein, je pense. Ah bah là, laisse tomber, mais aucun, franchement, peu importe, elle peut rigoler ou quoi que ce soit, de toute façon, la meuf, elle a aucune... Ah mais non, mais là, c'est inexpressif, hein. Aucune émotion. Elle est là, totalement inexpressif, hein. Oh je te le dis. Hein. Alors, attends, bah, viens, on va tout mettre les pancakes sur les pancakes. Enfin, t'appelles ça des pancakes t'as... Bah, justement, ce que j'allais dire, j'appelle ça des pancakes. Hein. Je sais pas si c'est des pancakes. Hein. Ça, c'est pas à moi de nettoyer, par contre, leur merde d'aliments. Hein. Ça, ils pourraient nettoyer. Hein. Oh bah, tiens. C'est quoi, j'ai juste envie de les laisser comme ça, moi. Pas envie de me faire chier. Ouais, mais ça, on peut les laisser là, à la limite, ça. Là, comme ça. Là. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Béatrice ? Oui ? On veut un truc, viens voir. J'espère qu'ils l'ont enlevé. Alors qu'est-ce qui est marqué? J'arrive. Boom? Bomb? Je vois rien, bordel. Bombe! She was here! Ah! T'as mis de la merde partout! Il avait chié au sol! Ah, moi j'en ramasse pas ça, je te le dis tout de suite, hein. Ah! Oh, ça pue! Vite, la caisse! Ah! Oh, pib! Tu vas vomir! Alors autant les lambeaux de trucs, je veux bien, mais là... Chacun deux, moi c'est bon, j'ai fait mon quota, c'est bon. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets le rondin sur le... sur la caisse? Mais tu veux que je le mette où? Mais mets-le dans la caisse comme j'ai fait. Oh, je vais le foutre directement au lavomatique, ça va pas m'emmerder. Ah bah faudra pas qu'ils réutilisent leur lavomatique, je te le dis, parce que vu tout ce qu'on fout dedans... Oh, et merde. Ça, j'ai compris le truc. J'ai compris le système, comment ça marchait. Par contre, il y a une fuite, hein, je te le dis. Ah bon? Ah bah quand tu passes le truc, je vois que ça y a de l'eau en dessous. Hein. Ils sont pas au point leur système. Il y a jamais rien qui est au point. Oui voilà, ce que j'allais dire de toute façon, qu'est-ce qui est au point? Jamais rien. Que ce soit pour le matos, l'équipement ou autre, c'est tout le temps la même merde. Béatrice? Ouais.
Attends, viens voir là. Retourne-moi ça là. Pocket booty, putty. Always quoi? Always ready. Ready, never cry, and doesn't cuddle. Oh, disponible en blanc, noir et asiatique. Et en plus, il y a le porte-clé avec. Ça t'intéresse, Gigi? Ah bah moi, non, ça m'intéresse pas du tout. Mais... Attends, fais-moi voir le... Hein? Écoute, non, mais me le colle pas aussi près, hein. C'est bon, hein. Voilà. On est d'accord qu'en gros, c'était une chatte de poche. Oui, une chatte de clé, oh, j'irais oh plutôt. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, là? C'est un chat qui est en train de Hein? Ah oui! Ah oui! On est d'accord que là, il y a un chat qui est en train de décuver, l'autre il lui tape dans le dos! Oui, oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu connais un peu l'espagnol? El esqueleto? El esquilito? Esqueleto? Oh, cette. Because the night never ends. Ah, parce que la nuit ne s'arrête jamais. Ah oui. Bah, effectivement, ah, oui. Ouais. T'es pas prêt de s'arrêter là, ce qu'on voit? Bon, moi, c'est bien, il l'aide. Bon, on vit dans une. Je te dis, t'as pas tout vu, hein. Cette ville est incroyable, hein. Ah bah, je vois ça. Il y en a des choses. Ici, ils sont flashés, hein, les gens. Oh ah oui, c'est là, là. De quoi? Non, c'est pas là que tu parlais. Bah, tu vas voir, c'est là où il y a les sauts. Les petits sauts d'eau, viens donc. Moi, où c'est? On va voir toute la merde qu'il y a. Oh là 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 là. Mais ça va jusqu'à l'autre bout. Regarde, regarde. Ça va tout là. Jusque là-bas. T'as vu ça? Ouais, je vois ça. Eh, dis-moi... Oui. Eh, dis-moi, les nouilles, c'est pas que ton péché mignon, dis-moi, Gigi. Je... De quoi c'est pas mon péché mignon? Eh, tu schlingues l'alcool, putain. Je me disais qu'est-ce qui pouvait être comme ça, mais c'est toi, là, de qui pue l'alcool, là. Mais je sens pas l'alcool, c'est l'autre con avec son vin de messe, là. Mais non, c'est l'autre abruti, c'est pas moi. C'est l'autre con, l'exorciste, là. Il m'a foutu son vin de messe dans tout l'appartement, sur les vêtements. Mais je sais, je sens le picrate. Mais c'est pas moi, c'est lui. Oui, tu sens pas qu'il y a un picrate, bordel. Je ne bois pas. C'est lui, salopio, là. Il m'a foutu son vin de messe partout. Tu devrais voir l'état. Ouais. Mais l'état de la maison, tu rentres, t'as l'impression que... Mais laisse tomber, on est chez Jack Daniel, ça. Hein, c'est un truc, oh, je te jure, l'odeur, sent, mais hein, l'odeur. Donc du coup, il est revenu. Et alors... Il est revenu. Il est revenu, alors moi je vais te raconter, tu vas voir, c'est folichon, hein, je te le dis, prépare-toi. Vas-y. Et en fait, tu te rappelles, je t'avais dit qu'il devait revenir. Ouais, 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 tu me l'as dit. Voilà. Ouais. Donc le gars, il revient, tu vois. Donc, j'y vais, machin, machin, comment vous allez? Cette fois-ci, il m'a pas dit direct, je sens une présence, il m'a dit ça va, merci. Bon, il était plus correct. Voilà, plus correct déjà, ben, je pense qu'il a compris, hein, l'autre coup que ça m'avait pas plu. Hein. Ouais, ouais. Moi je fais comprendre, hein, tu sais, quand ça va pas. Il fait, écoutez, on va tenter de rentrer en contact. Alors bah moi je suis ok, d'accord, ça marche sur mon téléphone, tu vois. Mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, on va rentrer en contact. Mais non, mais on rentre pas en contact comme ça, mais moi j'y connais rien, tu vois, le mec il commence à... Tu sais, un petit peu... Rentrer en contact avec l'esprit plutôt, Gigi, bah, oui, quand même. Bah oui, bah rentrer en contact, tu veux que je rentre en contact comment avec l'esprit? J'ai qu'un téléphone, moi, hein. Puis on parle un email, mais c'est tout, on peut pas faire plus. Mais oui, mais il n'y pas par un téléphone, il a pas le téléphone, l'esprit. Bah mais moi je savais, bah oui, mais moi et oh, tu sais. Ah oui, non, mais moi, je sais, mais bon. Je suis pas calé, qui c'est qui te dit pas que les fantômes, ils ont des téléphones, des... Ouais, ils ont des cellulaires, ah oui, peut-être, ouais, Peut-être, hein, tu vois. Des nouveaux et iPhone 9, là, ou je sais pas quoi. Bien évidemment, là, je sais plus à combien ils sont, mais prochainement ils seront au 20e, là, pour pas chier. Ouais, et puis du coup, oh là là, puis ça continue. Il me sort une planche en bois et tout. Je fais, ok, bon bah jusque là, tu vois, why not. Et il me sort sa planche, attends moi, je fais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, vous voyez, ceci est une planche Ouija, qui m'a dit. Alors écoute bien, connaissez pas Ouija. Ah, tu connais? Oui, je vois à peu près ce que c'est, t'as des lettres, des chiffres dessus, etc. Oui, non, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je fais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'autre, il me tend sa planchette en bois, tu vois, qu'est-ce que je vais faire de sa merde, moi? Et du coup... Faire du bois pour le feu, tiens. Oui, du coup, ça sert à quoi? Alors, il me tend un espèce de petit truc triangulaire, ouais, avec une petite loupiote dessus, tu vois. Ouais. Et sur la loupiote, du coup, il me dit qu'en gros, il va falloir que je mette mes mains sur le bout de mes doigts, sur le petit triangle. Tes doigts, ouais. Et en fait, qu'en gros, s'il y a un esprit qui a envie de communiquer, dans ce cas-là, le petit triangle va se déplacer sur des lettres, ce qui va former un mot. Mais qu'est-ce qu'il se fout pas de ma gueule? Moi, je peux le bouger tout seul, tu vois? Qu'est-ce qu'il me dit que... J'ai pas besoin de l'aide de l'esprit. Bah ouais, ouais. Donc du coup, il me fait installez-vous et tout. Ah bah, je m'installe, tu vois. Mm-hmm. Et je fais des thés, tu vois. Il me fait, non, je veux pas un thé. Déjà, je fais pas, c'est pas pour vous. Déjà, c'est pour l'esprit, tu vois.
Il est con celui-là. Et, et du coup, il rigole encore. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Ça suffit de se moquer. Hein. Se moquer des gens. Connaissent... Ben, oui, je connais pas. Il me fait, non, mais bouge pas le thé. Je dis, mais qu'est-ce que vous en savez? On n'en sait rien. Pas non, un petit mais thé, oui, mais... Hein, bah, mais c'est ça. Et puis moi, il me dit d'être accueillant. Mais putain, il m'emmerde. Hein. Je suis accueillante. Tu vois, savoir, il y a le respect. On invite, enfin la personne elle est chez moi, je sais pas depuis combien de temps, mais autant si on peut lui donner un petit bif, un truc pour qu'elle mange quand même, il doit crever la dalle depuis le temps, je te le dis le bordel. Hein. Esprit êtes-vous là, esprit tu là. Ouais, je sais pas quoi, enfin il a pas sorti comme ça, c'était bizarre. Et du coup, au début, tu vois, j'attends, je ferme les yeux, 5 minutes, 10 minutes, rien. Et là, bah, j'ouvre les yeux, je fais bon bah il est pas là. Il me fait, mais déjà, il fait, si on a le respect. Oh non, oh, c'est renversé. Merde. Ça, c'est moi, c'est ma faute. Ah, ah merde, attends, je vais ramasser après. Et du coup, je fais, bah, déjà, il est pas là. Il me fait, bah déjà, faut pas couper la parole, c'est mal poli. Je fais, bah d'un côté, il répond pas depuis 10 minutes. Hein. Je fais, donc, je sais pas qui est le plus mal poli des deux. Donc, il commence à m'emmerder, tu vois. Attends, merde, à couper la... Donc, du coup, il repose une question. Il dit qu'on le veut, on veut pas de mal, tu vois. Fait, nous voulons pas de mal et tout, machin. Que jusque-là, tu dis, bon, bah d'accord, on veut pas de mal. Bah, et, pas après, de mal. Et après, il se fout de ma méthode en disant, oui, c'est pas comme ça qu'on se présente, etc. Bah, grave, tu grave. Attends, le mec, il se présente avec une planche en bois, il se croit qu'il est mieux. Il me dit, depuis quand êtes-vous là? Et là, Béatrice, c'est là que tout a commencé. Ouais. Attends, je te promets, moi, je crois pas à ces trucs. Hein. Tu sais très bien, je suis la première à pas y croire. Hein. Ouais, je te jure, ouais. Vlatipa, il fait, depuis combien de temps êtes-vous là? Tu vois 5 minutes, rien du tout. J'avais le doigt posé, les yeux fermés. Vlatipa, que ça s'est mis à bouger. Je te le jure, sur Tati Daniel, que ça s'est mis à bouger. Ouais, je te bah le jure. Ça... Bah écoute, je te crois. Te jure. Et, te crois. Et du coup, tu sais pas combien de temps ça a répondu? Il a répondu... 200 40... ans. 46. 46 ans. 46 ans. Ça fait apparemment 46 ans qu'il est là. Et alors, bon. On a essayé de demander son nom ensuite, tu vois. Ouais. Donner un nom. Il nous a donné un nom qui commençait par un J. On n'a pas plus. J et pas plus. Ça bon, fait là, J et ça les fait noms end. En J. Alors, j'ai pas compris. Les noms ensuite, en J, t'en as plein. Oh. Bah, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas un de ta famille qui aurait un nom qui commencerait par J, enfin. Bah là, comme ça me dit rien. Il faudrait que je fasse des recherches, tu vois. De ton arbre généalogique, oui. Dieu sait qu'il est long, hein, je te le dis. Oh, bah, mais là, comme ça, là, tout de suite, là, de but en blanc, ça me dit rien. Hein. Non. Après, grand moment où ça parle plus rien du tout, plus rien. Et je fais, non mais ça marche pas très bien votre truc, j'ai l'impression. Le mec l'a un peu mal pris, il me dit qu'un esprit, il se manifeste quand il en a envie. Quand il en a envie, bah oui, bah... Alors quand il en a envie, c'est bien mignon tout ça, mais je veux pas attendre moi la Saint-Martin, hein, je te le dis. Hein. Oh la Saint-Glinglin non plus. Hein. Oh là là, m'en parle pas, je veux pas attendre aussi longtemps. Oh donc du coup, oh la prise de tête et tout, j'attends, rien. Ouais. Plus rien, il a posé des questions, ça m'en fait bailler, tu vois, il a posé des questions, rien, que dalle, nada. Alors là, il me fait, on va tenter du coup de rentrer en communication directe, je vois, parce que là, c'était pas direct, je fais, c'était, comment ça se passe? Il fait, non, mais on va tenter de rentrer en communication directe, je fais, bon, ok, d'accord, ça marche, donc il me ressort sa Bible, et là, oh, bah c'est là, d'où l'explication, il commence, oh putain, à prendre sa croix là. Sa croix la con, hein, en sa bois, croix, en chêne, ouais, je sais pas en ouais, quoi ouais. Il est faite, sa croix, mais une croix, quoi. Il chope sa croix, putain, il trempe ça, mais il m'a trempouillé ça dans son bain de messe. Son, il m'en a foutu même. Sur le connard, sur le tapis. Oh. C'est mon... Non, mais attends, écoute bien. Pas mon vieux tapis que j'ai acheté chez Jiffy, celui que j'ai acheté à Maison du Monde, tu vois, celui qui m'a coûté 120 balles. Une blinde, ah ouais. Une blinde. Et pas de la gueule, quand même. Il me fout, ce connard, dessus. Je fais, oh, il fait quoi? Je fais, mais vous touchez pas à ça, mais ça va pas. Et du coup, il fait, bah, vous voulez qu'il s'en aille ou pas? Je fais, bah oui. Il fait, bah alors laissez-moi faire. Alors déjà, j'étais là, oh, putain, auto à ferme tag. Ouais? Viens donc voir. Gigi, oh, qu'est-ce qui se passe? Viens donc voir Béatrice. Attends, j'arrive. Descends. Ouais? Ça y était, ça, la croix là, qui est avec la lumière? Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Ça y était pas, ça, la croix. Ah ça, non, ça y était pas, ça, avant, là. Qu'est-ce ça, ça y était pas. C'est quoi, cette lumière? Viens donc voir, là. C'est quoi, cette lumière, là, qui est en train d'éclairer la croix? Ça fume, en plus. C'est que c'est quand même... Un projo. C'est un projecteur. Projo. Oh, bah, attention. Oh! Viens voir.
Non, bah, je vois ça du dessus. Hein. Ah bah t'es au-dessus, t'as un bon oui. Visu là. Ah bah là oui, j'ai une visu plongeante. Voir. Là. Eh bah nom de Dieu. Attends, fais voir de l'autre côté. Ah. Ah oui bah attention. Ah hein. Je fais mal là. Ah bah oui. Attends. Oh dis donc, Hellfire, regarde. Attends. Eh bah dis donc c'est une belle pépée ça, dis-moi. Oh. Bon tiens regarde, tu t'aimes bien, cadeau. Aïe. Donc oula. Du coup il asperge son vin de messe de partout, ce connard. Ouais. Là. Ouais. Il en a mis partout. Sur ton tapis, hein. Ouais. Sur le tapis, le dressing. Ils sont pas cachés dans le dressing quand même, faut arrêter de me prendre pour une conne. Il me fait, vous seriez surpris de voir où est-ce qu'ils peuvent aller si un esprit peut aller partout. Partout, il y a quand même de la limite là. Fais attention, je balance des trucs. Hein. Ouais, je vois ça, tu m'as fait tomber avec. Pardon, ça peut me protéger. Ah. Donc là, je sais pas de quoi ça va me protéger. Écoute, il s'est rien passé de nouveau. Il y a rien eu de bizarre depuis, je vais pas te mentir, il y a rien eu de bizarre. Mm-hmm. Mais je me méfie fortement. Parce qu'on sait très bien comment ça commence, on sait pas comment ça finit. Je te le dis, on sait pas comment ça finit. Bah ouais, bien sûr. Par contre, je te le dis, moi je nettoie plus le micro-ondes. Hein. Là, je vois le micro-ondes, j'ai pas envie de nettoyer. Retourne pas dedans, non. On n'a pas le choix, hein. Bah là, oui, là c'est sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ma Béatrice. Hein. Gigi ! Oh ! Béatrice ! Béatrice ! Oh ! Oh, j'espère qu'elle avait les pilules. Oh ! Ah bah là, elle est cuite. Ah bah, tu m'étonnes à point, là. Oh ! Jésus, doux Seigneur, Marie-Joseph, si tu m'entends, faites qu'elle ait pris les pilules. Béatrice. Hey. Oh mon Dieu. Oh, doux Jésus, Marie-Joseph, allez en bas. Béatrice. Gigi, t'es oh putain. Là. La Béatrice. Là. Ça me... Ah, ça va, Béatrice. Ah bah ouais, heureusement que je parie de la pilule, Bnaise, nom de Dieu. Oh, j'ai entendu le truc se fermer, j'ai vu le... Oh là, j'ai imaginé que t'avais pas la pilule. Oh là là! Ah non, non! Garde-les tout le temps sur toi, ces pilules! Hein. Ah bah oui, là, je vois bien là! Finise! T'as vu ce que ça fait? Hey, j'ai pris les couleurs, je crois! Hein. Bah oui, forcément! Hein. Ouf. Ah bah là, t'as dû. T'as mais non, mais je voulais nettoyer l'intérieur du truc, je pensais mais pas que ça se remarrait directement! C'est l'autre coup, c'est ce qui m'est arrivé! Bah oui, mais je pensais pas. C'est bah un là maintenant. Là maintenant il est propre le truc, j'y retourne bah là, plus t'y dedans vas là. Plus, hein. Ah non là c'est ouf. Je te le dis. Hein. J'ai donné, c'est bon. Ah. Et voilà, la machine encrassée, putain. Je vais pouvoir reconstituer un corps avec tout ce bordel moi. Oh, c'est Gigi, qu'est-ce que t'as fait? Béatrice, le poltergeist est de retour. Béatrice, qu'est-ce que t'as foutu? Béatrice. Oh putain, nom de Dieu. Oh, Jésus Marie Joseph, nom de Lucifer, oh non de... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais j'y vais plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est de retour, Oh, moi j'y vais plus. Hein. Oh, il vient vers moi. Il bouge. Il me veut. Hein. Il bouge en plus. Hein. Il vient vers moi. Hein. Mais. Il vient vers moi. Oh, nom de Dieu. Oh. Ici. Oh, moi tu me connais, hein. Moi ça va finir à un coup de balai dans la tronche. Hein. Que tu discutes? Oh, mais il est énervé là. Attendez. Non. Et on s'énerve pas. Écoutez-moi bien. Je me présente. Je m'appelle Béatrice. Non, Ginette. Gigi. Ça y est, je commence à perdre la mémoire. Je m'appelle Gigi et je suis avec Béatrice, d'accord? Mais ne vous énervez pas. Et ça marche pas trop bien gentil. Le son 20 mètres, salaud de con. Hein. Si ça marche pas, attends, que si je m'approche, ça, il va sentir. Bah, tu crois? Ah, fais attention à toi. Hein. Je m'appelle Gigi. Et du coup, oh là là, Gigi me sent. Béatrice me sent. Oh, je me sens pas bien. Je vois ça. Attends. C'est lui qui me prend le. Tu sais ce qu'il m'a expliqué là, le exorciste? Oui. Qu'il pouvait prendre ta force. Ta force vitale, l'énergie. Prends ton énergie, je te jure. Mais il tourne encore là, il sent pas très bien. Beaucoup, là. Je me sens pas très bien, Béatrice. Oh, tu vois que j'en perds le. Oh, pas bien. Voilà, et moi je te dis, on ferait bien de se casser d'ici, hein. Sans te dire, faut qu'on y aille, ça va bien. Pas bien. Bon, écoute-moi bien, tu vas pas faire la toute-puissance des temps, hein. Oh, fini, oh, là. Oh, fais attention, c'est fini. Tout pillette. Oh, écoute, il est en train de tout gâcher. Non. Oh, putain. Il est plus coriace que la dernière fois, ce salaud. Hein. Oh là là. Amy. Tu te...
Oh là 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 là. Tu te tiens. Oh, oh là là, puis il est en train de tout ressalir. Tu vas m'écouter, tu te calmes. Hein? Oh. Putain. Oh, il va pas me faire chier sur 7 ans, lui, je te le dis. Hein. Mets-le dans le... Là, là, viens voir là, par là, par là, par là, par là. Dans l'évier, jette-moi ça, là. Tu vas voir le démon, là, il va prendre une douche. Ça lui fera pas de mal. Alors, je vais te purifier, moi. Il est foulé dans l'eau, là. Purifie-le. Voilà, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. Que ce démon s'en aille. Voilà. Ah bah là, je crois qu'il est parti. Il est mort, hein? Il est mort? Ouais, je crois qu'il est mort. Bon. Je vais pas me faire chier 107 ans, moi, je te le dis. Oh. Pas bien, du coup, maintenant. Coriace, celui-là. Ça faisait des trucs vraiment bizarres. De toute façon, il y a les caméras de surveillance, là, ça va leur embaucher un coup, bah là. Bah là, ouais, tiens, là, ouais. Vu qu'il y a les caméras, maintenant. Mais attends, je nettoie ce qu'il a fait, c'était dégueulasse, là. T'aurais pas dû nettoyer, t'aurais dû laisser tel quel. Écoute, on s'en va, je me sens vraiment pas bien, bah non, s'en aille. On s'en va, là. On s'en va, tu me ramènes, s'il te plaît. Bah oui, bah attends, arrête. Ouais, pas te laisser comme ça, allez, viens. Ah, ramène-moi, allez, on y va. Allez, Gigi, allez, viens. S'en va.